love and marriage, love and marriage go together like a whole. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo présentation d'achat. J'ai envie de ranger les films, donc vous savez, quand c'est comme ça, ça me motive grave à faire une vidéo. Est-ce que c'était pour les bonnes raisons? Je ne sais pas. Toujours est-il que je vous dois la vérité. Et donc oui, ça s'amoncelle encore sur le côté de mon canapé. Je déteste ça. Donc il faut du rangement. Allez, on commence tout de suite avec une offre qui était sur Amazon. Avec ce 4K de presque célèbre. Donc presque célèbre, almost famous, que j'avais en Blu-ray. Donc d'ailleurs j'ai pris un amarré noir double emplacement et j'ai mis l'amarré et le Blu-ray et le 4K, hein, parce que là en fait n'était vendu que le 4K à 14,90€. Donc un film que je n'ai jamais vu, dont j'ai entendu beaucoup de bien, dont Adrien m'a fait l'éloge, et donc un film musical, hein, sur l'environnement d'un groupie, d'un groupe, le rock'n'roll, les addictions, la fête, et le plus grand des dangers apparemment, c'est l'amour. Donc presque célèbre. Ensuite, deux petits films de guerre que j'ai pris, il va y avoir de tout, hein, mais des soldes et du cash essentiellement, oui c'est ça. Et du prix normal aussi, vous comprendrez pourquoi, je vous expliquerai juste après. Donc Embuscade, The Ambush, le réalisateur de Tekken. Donc on voit ici un espèce de char, pas un char d'assaut, je crois que c'est un véhicule blindé, mais c'est pas un char d'assaut, qui est entouré de talibans, je suppose, hein. Et donc en gros c'est ils partent en mission et ils sautent sur une mine et ils se retrouvent bloqués dans leur char avec tous les belligérants autour. Apparemment bon film d'action, hein, je vais voir ça assez rapidement, et si ça me plaît pas, bah, forcément ça partira. Je vous dis ça parce que voilà, les avis sont mitigés sur ce Embuscade, et il était vendu donc pour 9,90€ avec ce film qui par contre celui-ci a bonne réputation, donc assiégé. The Outpost, avec c'est une histoire vraie, avec le fils de Clint Eastwood, un Scott Eastwood, et surtout Orlando Bloom, on voit ici au milieu, et par contre les avis sont plutôt positifs. Alors là on est justement sur une histoire vraie d'un avant-poste de l'armée américaine qui va être assailli par de nombreux soldats, alors de l'État islamique ou taliban, enfin voilà, tous ces gens bien intentionnés. Donc en gros on se demande, beaucoup de gens en parlent dans leur critique du film, etc., comment on peut mettre un poste avancé dans l'armée dans une cuve en fait, qui est sur les côtés, il n'y a que des points hauts, des montagnes, etc. Et c'est vrai que ça fait une cible rêvée. Et c'est vrai que stratégiquement, c'était pas forcément le meilleur endroit pour mettre un poste avancé. En tout cas, j'ai hâte de le voir et je crois même que je vais le regarder juste après la vidéo. Enfin, j'hésite entre ces deux-là, je vais peut-être regarder d'abord celui-là, parce que celui-là, je suis sûr de le garder, celui-là, à voir. Ensuite, j'avais eu des cartes cadeaux pour Noël, notamment par ma sœur. Et donc, je suis allé me promener à Cultura hier, le jour des soldes. Alors, le jour des soldes, mais un truc de ouf. Des gens se sont battus devant moi à l'entrée à 9h, ça ouvrait à 9h. Dès 9h02, il y a deux mecs qui étaient en train de se battre pour des jeux vidéo. Alors déjà, je suis bien content de ne pas être dans ce domaine-là, parce que les gens sont cinglés apparemment. Mais vraiment, j'ai halluciné. En fait, il y en a un, en plus, il avait son enfant de 3 ans dans les bras, quoi. Et l'autre lui dit, lâche ton enfant, je vais te défoncer ta gueule et tout, parce qu'il le poussait un peu trop sur les bacs de soldes de jeux vidéo. J'ai dit, au secours! Donc, dans notre passion film et tout ça, honnêtement, il n'y avait rien en solde. Mais bon, moi, j'avais mes petites cartes cadeaux, donc j'en ai profité. J'ai pris cette édition collector très jolie, hein, de Shakespeare in Love. Donc, avec une grosse distribution, hein, Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes, Ben Affleck, Colin Firth, etc. Et franchement, l'édition est super belle. Alors, un format très particulier. Alors, c'est de la taille d'un Blu-ray. Ça va, déjà, c'est pas trop en hauteur. Mais par contre, c'est beaucoup plus large, vous voyez. Hop. Et ça, c'est un bouquin à l'intérieur. Voilà, si je le dis du bon côté. Il est super beau. Honnêtement, ça se voit, c'est très quali. Ça me fait penser un peu à l'édition du Baron de Munchausen. Je sais pas si vous vous souvenez. Voilà, très très chouette. Il y a le Blu-ray, forcément, des photos et le DVD. Très très chouette, honnêtement. Hop. Donc très content. Ça, c'était avec la carte cadeau. Enfin, une partie de ce que j'ai pris avec la carte cadeau. Je vais vous montrer le reste. Hop, si j'y arrive. Hein. C'est parti. Ensuite, je me suis pris aussi avec cette carte. Là, c'était à la Fnac Limbo, parce que Limbo, alors ce format DVD me fait chier. Et je suis poli. mais je me suis dit là.
qu'il fallait pas tarder parce que ça commençait à être difficile. Il y avait plus de stock en ligne, notamment sur la Fnac pour le Blu-ray. Et ça devenait un peu compliqué et je me suis dit n'attends pas, tu vas te faire niquer, tu vas pas l'avoir ou tu vas devoir le payer très cher ou trop cher en tout cas. Donc je l'ai pris tout de suite, Limbo, donc un espèce de Seven asiatique, donc hâte de le voir, avec un tueur qui s'en prend aux femmes et qui leur coupe la main systématiquement, et la police décide d'utiliser une espèce de SDF ou je sais pas quoi pour servir d'appât. C'est pas très moral tout ça. On m'avait conseillé, je crois que c'est Mister Blu-ray Vinyl. En fait, j'avais acheté Asbestas il y a déjà un petit moment, je ne l'ai toujours pas vu, mais je sais que ça va me plaire, ça j'en suis certain. Et il m'a dit justement qu'il y avait un coffret avec les 4 films de Rodrigo Sorogoyen, qui était en solde à 20€ les 4 films et que c'était vraiment une super affaire. Donc je lui ai fait confiance. Effectivement, donc je savais qu'Asbestas était très bon, mais j'ai vérifié, la confiance n'exclut pas la vérification. J'ai vérifié quand même l'avis et les notes, etc. un peu des 3 autres films, hein, Madre, El Reno et Que Dios nos perdone. Et honnênement, bah, effectivement, les critiques sont dithyrambiques et j'ai hâte de découvrir tout ça. Là, c'était dans le cash ce matin, alors prix de ouf. Hein. Peninsula, je ne l'avais pas acheté, donc c'est la suite, la pseudo-suite du dernier Train pour Busan. Alors, les critiques ne sont pas forcément très bonnes. Alors, pour l'histoire, oui, mais les effets spéciaux, apparemment, s'appliquent aux yeux. Je me ferai à mon avis, mais je l'ai eu pour, je crois, 1,99€. Donc, j'ai dit, bon, pourquoi pas tenter, on verra bien ce que ça donne. Dans la même démarche, hein, j'avais pas du tout envie d'acheter le Steelbook 4K de ce film. Ça me faisait vraiment peur, hein, même si c'est le gamin qui joue dans Cobra Kai. Mais là, à 6,99€, hein, il était dans le cash en question. Je me suis dit, ça vaut vraiment le coup de le tenter pour ce prix-là. Après, toujours dans le cash, bah, on peut pas passer à côté d'un petit Clint Eastwood en Digibook pour 5,90€. Franchement, voilà, pour une poignée de dollars, c'est un film que j'ai déjà, mais cette édition... franchement, je pouvais pas la laisser, c'était juste pas possible, elle est vraiment neuve, ça aurait été vraiment très très dommage. Il y avait aussi Rio Bravo en Steelbook 4K à 9,90€, donc là je vous cacherai pas, je vous dois la vérité. Je l'ai acheté pour le revendre, je l'ai vendu dans les 10 minutes à un Hollandais pour 24€, donc franchement, voilà, c'était pour amortir justement tous mes achats du cash. Donc toujours dans le cash, en gratuit, parce qu'en plus c'était deux Blu-ray achetés, un gratuit, j'ai pris Miracle en Alaska avec Drew Barrymore. Du coup, bah, celui-là je ne l'ai pas payé et c'est un film que j'avais en DVD, donc très content de le choper comme ça, dans ces conditions-là. Ensuite, là c'était une grosse surprise. Alors c'est une édition que je me suis faite moi-même parce qu'il y avait un gros, vous savez, les gros amarrés bleus hyper épais avec 2 emplacements, enfin voilà. Et ça servait à rien parce que en fait il n'y avait qu'un disque Blu-ray de supplément et que le film en Blu-ray. Et honnêtement, je préfère largement ce format. Ça prend moins de place, déjà rien que sur la tranche. Dans Anchorman, hein, l'histoire de cet animateur de télé, apparemment qui est très très bon. Donc je ne l'avais jamais vu avec une VF, etc. Donc avant de l'acheter, bah, je me suis quand même posé la question et j'ai réussi à vérifier qu'effectivement il y avait bien la VF. Et j'ai vérifié, apparemment c'est pas du canadien, mais après au pire, de toute façon si c'est VO, il y a les sous-titres français. Il y a Christina Applegate qu'on voit ici, Will Ferrell. Franchement, ça a l'air très très bon. Donc très content de l'avoir chopé, celui-là j'ai dû le payer 3,90€. Avec la carte cadeau toujours de Noël, je me suis pris, bah forcément je suis un inconditionnel de ce film, Love Actually en 4K. Alors j'ai déjà vendu, vu que là il y a le 4K et le Blu-ray, j'ai déjà vendu le Blu-ray 4,50€ je crois sur Vinted, donc 4€. Très très bon film de Noël, la comédie, l'ultime comédie romantique, mais aussi un grand grand film de Noël. J'adore Hugh Grant, j'adore Emma Thompson, Liam Neeson est très touchant dans cette histoire, lui c'est pareil, Colin Firth avec son histoire d'amour avec la portugaise, terrible. Alan Rickman, pareil. Enfin voilà, Neira Knightley, je m'en fous un peu plus, honnêtement, son rôle de belle gosse me saoule un peu. Lui, excellent. Elle, c'est pareil, en tant qu'espèce de gouvernante de Hugh Grant, qui est Premier ministre britannique. Enfin franchement, j'adore ce film, il était à 24,99€, là, bon, c'est le prix que... qui a été payé, mais avec une carte cadeau, ça fait toujours moins mal au cul.
Ensuite, Revoir Paris, alors un film sur le traumatisme des attentats, hein, du Bataclan et tout ça, de 2015, si je dis pas de bêtises. Et apparemment très très bon film avec Virginie Efira, hein, qui a du mal à se reconstruire après le traumatisme qu'elle a subi, donc j'ai hâte de voir ce film. Ensuite, un peu dans la même, alors pas la même dynamique dans le sens où c'est pas du terrorisme, c'est les victimes qui sont confrontées à leur bourreau, on va dire. Donc un film qui divise beaucoup, parce que comment on réagit par rapport à ça, est-ce que... Enfin voilà, moi je suis pour, je vous cacherai pas que je suis pour une justice forte, et je trouve qu'elle est bien trop laxiste en France. Il y a des choses, voilà, il faut, qui sont impardonnables à mon sens, vraiment impardonnables. Donc avec Gilles Lelouch, ça, très content. Ensuite, un film que je me suis pris hier, bah aussi avec la carte cadeau. Donc Les Rascals, France 84, Ainsi sont nés les chasseurs de skins. Alors c'est un film qui divise aussi. J'ai lu des avis où on parle de pro-islamo-gauchiste, forcément avec, en contrebalance par exemple, American History X, voilà. C'est deux mondes qui s'opposent, mais justement, moi ce que j'aime bien, c'est connaître un peu les deux versions de la chose et me faire mon propre avis au milieu de tout ça, même si c'est forcément des avis partiaux, vu que c'est du cinéma. mais ça m'intéresse, effectivement, aux espèces de The Warriors, hein, un peu guerre de gang parisien. Et puis, c'est le genre de film français qui n'existe pas trop à la base. Donc là, ils en sortent un, faut regarder. Hein. Je me ferai mon avis, puis on verra ce que ça donne. Dans la même démarche, je me suis commandé Suprême, hein, qui est l'histoire, l'espèce de biopic qui est autour de NTM. Et moi, NTM, vers... 16 ans, 17 ans, j'écoutais beaucoup, hein, au tout début. Je me cherchais un peu, hein, j'hésitais entre le rap et le hard rock. Je me suis plus penché vers le heavy metal et ça représente bien plus les valeurs. Pour moi, voilà, ça me correspond bien plus que le rap. Mais toujours est-il que voilà, j'aime bien me faire les avis de chaque truc et je boycotte pas un film juste parce qu'on dit telle ou telle chose dessus. J'attends de voir et j'avise. Frères ennemis, c'était un film que je m'étais chopé chez Noz, hein, qui a l'air bien bien sympa, hein, deux frères ennemis. Non mais disons que un est policier, l'autre voyou en gros. Ils se parlent plus depuis un petit moment, mais vont être obligés de collaborer. Et franchement, ça a l'air d'être un très bon film, chopé je crois 1,99€. Et ça, c'est sur les conseils d'Adrien que je me le suis pris avant qu'il devienne difficilement trouvable ou trop cher. C'est tellement proche, une comédie excellente française. Avec Vincent Elbaz, Monsieur de Maison, Omar Sy et Jean-Ben Guigui par exemple. Et vraiment, ça a l'air très très sympa. J'ai vu des extraits, j'avais regardé la bande-annonce, je me suis dit oui, il a raison, faut que je me le prenne. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, ça a été un moment très sympa, honnêtement. J'espère que cette sélection vous a intéressé. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Parlez-moi autour de vous, ça peut être sympa de me faire gagner des abonnements. Et des abonnés, pardon. J'aimerais arriver aux 2K rapidement, quoi, si c'est possible. Merci d'avance, en tout cas, même si en soi je m'en fous. Je suis pas monétisé, mais je vous dis, c'est quelque chose qui me motive à continuer. Quand on voit tous les gens qui ont arrêté, les Ciné chez soi, Patrick malheureusement qui ne fait plus de vidéos également, Danny Cineroom, enfin bref, c'est énormément de gens, même Dark Magikarp, hein, qu'on n'entend plus, à part un peu sur Instagram, mais sinon il fait plus de vidéos. Et je me dis que voilà, il faut encourager ceux qui restent. Allez, sur ces bons mots, je vous dis à très bientôt, ciao. Mon papa, il est gynécologue, il regarde des vagins toute la journée. I'll be back.